On se retrouve aujourd'hui pour faire chauffer les bras. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans Mal et Rebelle. Pour cet entraînement, je vous propose 30 secondes de travail suivies de 30 secondes de récupération pendant lesquelles je vous montre l'exercice suivant. Aujourd'hui, on va utiliser des poids et pour ma part, j'utilise 1 kg dans chaque main. Pensez à vous hydrater pendant vos entraînements et tout au long de votre journée, c'est très important. Un petit coucou à mes abonnés fidèles, merci d'être avec moi aujourd'hui et merci pour tous vos super messages en commentaire. Je les lis chaque jour et j'essaye de répondre à tout le monde, continuez surtout. Et si vous n'êtes pas encore avec nous, n'hésitez plus, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, elle vous informe de la sortie des vidéos. Un petit mot aussi sur la méthode AquaActive dont je suis fondatrice. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds. La particularité de cette méthode est qu'elle se passe entièrement dans l'eau. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un lien juste sous cette vidéo dans la description. Pensez aussi de temps en temps à faire un petit tour dans ma playlist « Les conseils de Cécile ». Allez, je sais que vous êtes impatiente de faire travailler les bras, on y va. Allez go, on fait chauffer un petit peu son corps avant de commencer. Faites des grands mouvements avec vos bras, beaucoup d'amplitude. On inspire et on souffle très profondément. Je me répète un petit peu chaque jour, mais c'est super important de ne pas démarrer à froid ces séances d'entraînement. Même si c'est quelques secondes, on se prépare à la fois mentalement et physiquement à faire de l'exercice. Allez, on enchaîne avec des grands cercles, les bras tendus. Je vais vous proposer pour cette séance deux boucles de quelques exercices. Vous allez voir, ça va passer très très vite, alors amusez-vous. Vous pouvez déjà voir le tout premier exercice. On reste debout, on prend les poids dans les mains. Allez, encore quelques secondes. Et c'est parti, les deux bras sont tendus vers l'avant et je monte une fois vers l'avant, une fois sur le côté. Je m'arrête à hauteur des épaules pour ce tout premier exercice. Allez, c'est pendant 30 secondes. Serrez bien vos abdominaux, protégez votre dos et on respire normalement. Et surtout avec le sourire, on est là pour s'amuser. Secondes de récupération. Vous pouvez voir le prochain exercice. Pendant 30 secondes, c'est quasiment le même, mais cette fois-ci, pour les deux mouvements, on monte jusqu'en haut. Encore une fois, on serre bien ses abdominaux grâce à la respiration pour protéger son dos. Allez, c'est très très bien. Regardez droit devant vous. Secondes de pause. Super, soufflez bien. On y va, pendant 30 secondes, on fait des biceps. Les coudes sont bien collés au buste. On monte et on descend. On essaye de mettre pas mal de fréquences. C'est un exercice facile, mais qui fait bien travailler ses biceps. Récupère pendant 30 secondes, soufflez bien.
Et c'est parti, les deux mains sont en hauteur des épaules et on pousse vers le ciel en même temps. Là aussi, il n'y a que 30 secondes de travail. On met de la fréquence, allez, allez, ne creusez pas votre dos, serrez vos abdominaux. Seconde de pause et on va assembler les deux derniers mouvements pour finir cette première boucle. Allez, c'est parti. Je fais une fois les biceps et je viens en haut, je pousse vers le ciel. Allez, un petit peu de coordination. Si vous vous perdez, c'est pas grave, restez avec moi, c'est génial ce que vous faites. Bravo de faire du sport. Je vous encourage vraiment à continuer. Super, 45 secondes de récupération. Prenez le temps de boire, de vous détendre, de bien laisser récupérer vos bras. On va se régaler, cette séance passe vite, alors on ne loupe rien du tout. Vous restez avec moi jusqu'au bout, je compte sur vous. On se prépare, on reprend les poids dans les mains. Et c'est parti. Allez, on monte à hauteur des épaules, une fois devant, une fois sur le côté. Allez, les bras sont bien chauds maintenant, on y va. Et 30 secondes de pause, super. Jusqu'en haut cette fois-ci, une fois devant, une fois sur le côté. Serrez bien vos abdominaux, je me répète, c'est très important, protégez votre dos pendant vos exercices. Secondes de récupération. C'est parti pour les biceps. Allez, allez, on en fait le maximum. Secondes pour souffler, on arrive bientôt au bout, allez accrochez-vous.
avec ses deux mains vers le ciel. Allez, allez, serrez vos abdos, tirez votre nombril vers l'arrière. Seconde pause, il ne nous reste plus qu'un exercice. Allez, allez. Et go, on mixe les deux, biceps et poussez vers le haut. On en fait un maximum. C'est une très très belle petite séance pour les bras. Elle sera super en complément d'une autre. Allez, allez, je vous propose de la répéter régulièrement celle-ci, elle est chouette. Encore quelques secondes. Bravo, je vous félicite, on pose les poings, on fait quelques assouplissements. C'est important de se détendre un petit peu, même si vous enchaînez. Et si vous voulez justement continuer, je vous propose de cette séance. Sinon, n'hésitez pas à continuer avec des étirements. Pensez à me mettre un petit like si vous avez aimé cet entraînement. Continuez à m'écrire surtout, abonnez-vous, partagez un maximum tout autour de vous. C'est du sport facile pour tout le monde et on peut faire ça ensemble à la maison. Merci d'être venu avec moi aujourd'hui faire votre séance. Prenez soin de vous et surtout restez belle et rebelle. Je vous dis à très très vite. Bye bye.